Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se lance dans la fabrication d'une étagère type japonaise un petit peu. L'idée, c'est de travailler pas mal de techniques différentes. Du moins, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Ma compagne m'a laissé du bois, des gauchis et rabotés dans la continuité de l'étagère qui ne manque pas de lumière. Je vous remets la petite fiche si vous ne l'avez pas vue. Elle m'a dégauchi et raboté un peu plus de bois que ce qu'on avait besoin pour l'étagère précédente. Là, c'est du châtaignier et on va essayer de fabriquer un petit projet avec ça. C'est parti.
Eh bien voilà, cette réalisation est terminée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai voulu vous montrer les queues d'aronde avec le gabarit à queue d'aronde de chez Virutex. Une petite photo au passage. Je vous le présenterai plus tard parce qu'il faut que j'apprenne un peu plus à l'utiliser. Puisqu'il y a un côté où mes queues d'aronde ne sont pas équilibrées et l'autre où elles sont bien équilibrées. J'avais mal réglé au premier coup et ça, en fait, elles n'étaient pas équilibrées, c'était moins joli. Bon là, c'est joli, ça me plaît, c'est le principal. Les tenons traversants, pour une première, je suis satisfait parce que c'était vraiment mes premiers tenons traversants. Il n'y a pas de jeu du tout. Et le fait d'avoir mis les petits coins après dans les tenons fendus, ça écrase tout. Et on voit même que le bord de mon tenon a écrasé le châtaignier. Donc franchement, c'est top, c'est vraiment top. Le seul défaut, c'est que j'ai trop appuyé avec mon tranchet quand j'ai marqué mon bois au niveau du parement, donc sur la face visible. Et dans le coup, j'ai toujours le trait visible. Et ça, c'est dommage. Pour une prochaine, je ferai attention à ça. Les queues d'aronde coulissantes au roux, ça fonctionne très bien. Hein, c'est pas compliqué à faire. En même temps, il faut juste prendre son temps, bien régler sa machine, bien s'installer, bloquer ses pièces, etc. Au niveau des portes, c'est extrêmement facile. Une rainure en haut, une en bas. J'en ai deux qui sont décalées. Je vous mettrai toutes les photos à la fin de la vidéo, hein, si vous voulez voir ça en détail. La deux rainures l'une derrière l'autre, avec un petit espace entre les deux. Une rainure profonde en bas de 4 mm de profondeur. En haut, elle fait 7-8 mm, ce qui me permet de monter... Hop, mon bois en haut, et après je le redescends, et là il bouge plus, il est pris dedans. J'ai été jusqu'à pousser les rainures dans les montants, donc j'en ai fait pour la face avant, côté droit, pour vous là, et pour la façade arrière, côté gauche. Ce qui me permet ici de vraiment rentrer ma façade coulissante à l'intérieur de mon montant et je trouve ça plus joli au niveau de la finition. En parlant de finition, j'ai passé le préparateur de chez Rubio pour nettoyer, dépoussiérer et nettoyer le bois. Ça a mis un certain temps à sécher, le nettoyant, enfin le préparateur. Et après, j'ai mis le soupçon blanc, c'est top. Parce qu'on essuie aussitôt le surplus et ça rentre bien, surtout dans le châtaignier, ça rentre bien dans les pores. Et par-dessus ça, j'ai mis la finition invisible. On essuie le tout et voilà, c'est vraiment super. À l'arrière, pour la fixation, j'ai fait des trous avec une fraise à rainure en T, comme ça. C'est ce que j'utilise systématiquement dans du massif. Bon, ça dépend le poids du projet. Hein. Sur un gros meuble, je ne vais pas mettre que deux trous comme ça. Mais pour la majorité des choses, de petite taille, j'utilise ça parce que ça fonctionne très bien et dans le massif, c'est extrêmement solide. J'ai appris quelques petites choses fort sympathiques lors de cette réalisation. J'espère que vous avez apprécié autant que moi. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça fait toujours très plaisir. À commenter, à liker et à partager. Je vous remercie, je vous dis à lundi pour une prochaine vidéo. Salut !